Donc je voudrais dire d'abord que le paradoxe, selon moi, est même plus profond que cela. Il est entre une société, en fait, où les travailleurs croulent sous le boulot et voient leurs conditions de travail se dégrader d'un côté, et des travailleurs privés d'emploi de l'autre côté. Ça, c'est vrai aussi bien dans le secteur public, en particulier dans les hôpitaux ou chez les territoriaux de la ville de La Rochelle, à qui d'ailleurs l'équipe municipale actuelle a imposé de travailler plus pour le même salaire depuis 2015. Et c'est tout aussi vrai dans le privé, par exemple au centre d'appel Citel, ou encore dans le secteur du nautisme à Dufour ou à Fontaine-Pajot. Mais dans le même temps, il n'y a pas d'embauche ou pas suffisamment, et alors que pourtant le taux de chômage effectivement dans le quartier bat des records à plus de 30%. Pardon ? Comment ça, j'arrête, hein?